m'appelle Elisabeth. Bienvenue dans notre émission Zoom sur DCC Sergi. Aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de vous faire découvrir le ministère de louange et de l'adoration avec Nadia Ake. Bonjour Nadia. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Tout plaisir est pour moi. Avant de commencer les questions, est-ce que vous pouvez vous présenter en fait à la famille internaute qui nous regarde et qui ne nous connaissent pas du tout? Avec plaisir. Je suis Nadia Ake, responsable du groupe de louange au sein de l'église ICC, campus de Sergi. Quelle est la vision concrète de ce ministère? La vision concrète de ce ministère au sein de l'église, c'est d'installer l'atmosphère de telle sorte que tous ceux qui se déplacent et qui viennent au sein de l'église puissent se connecter facilement à la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare que notre Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. D'accord? Donc quand on se réunit, notre rôle à nous, c'est de créer cette atmosphère, à faire de telle sorte que cette présence divine soit palpable, elle soit visible, qu'on puisse vraiment sentir la présence de Dieu. Et là où se trouve l'Éternel, bah, il n'y a pas de ténèbres. Wow. Ouais. Je suppose que vous ne faites pas ça seul. Non, pas du tout. Vous avez une famille, une équipe en fait. Oui, oui. On les appelle comment ces personnes qui vous aident et vous êtes combien? Au sein de l'église, on les appelle les stars. Nous sommes à peu près une vingtaine. Et stars pour nous signifie serviteurs travaillant activement pour le royaume. Waouh, les stars. Oui. Et mis à part le dimanche que vous êtes là avec la présence de Dieu, en semaine vous faites quoi? En semaine, on prépare le culte. Que ce soit spirituellement, que techniquement, on prend le temps de présenter notre travail au Seigneur, voilà, dans des moments de prière qui sont organisés au sein du groupe. Et aussi, on se réunit pour pouvoir travailler, se mettre ensemble, pour pouvoir mettre nos différents talents ensemble et puis faire monter au Seigneur un parfum de bonne odeur. Wow. J'ai dû comprendre que vous avez une vie spirituelle au sein du ministère et aussi une communion fraternelle. Oui. Comment ça se déroule? En ce qui concerne la communion fraternelle, nous profitons des temps d'anniversaire pour nous réjouir. On fait des gâteaux, on organise aussi des temps d'agapé. Voilà, on se retrouve autour d'un repas pour pouvoir échanger, apprendre à se connaître et puis voilà. On fait la fête aussi. Hein, Et la vie spirituelle au sein de votre équipe? Bah, elle dépend au reste. Hein, parce que tout ce qu'on fait est d'abord spirituel. Hein, d'accord? Donc, nous prenons le temps, voilà, comme je disais tout à l'heure, nous prenons vraiment le temps de présenter notre travail au Seigneur. Au sein du groupe, nous avons cette permanence-là que nous organisons tous les jours. Voilà. Tous les jours, nous avons deux personnes qui sont chargés de présenter le groupe au Seigneur, d'aller au pied de l'Éternel et lui recommander notre travail, lui recommander nos vies aussi, parce que ce que nous faisons est purement spirituel, ce n'est pas charnel. Donc nous avons besoin de l'aval, nous avons besoin du cachet du Saint-Esprit, nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit pour pouvoir justement mener à bien la tâche qui nous est confié, voilà. Et quel est le point le plus important de votre ministère? La vie de consécration. La vie de consécration. Qu'est-ce que c'est la consécration? La consécration, c'est choisir d'appartenir, d'obéir, d'être conduit, voilà, par la parole de Dieu. Voilà. Accepter cette parole-là et marcher selon cette parole. Donner sa vie complètement, se laisser guider, mais totalement par le Saint-Esprit. Waouh! Donc en fait, se donner complètement au Saint-Esprit. S'abandonner à lui, faire sa volonté. C'est ça, être consacré au Père. D'accord. J'ai cru comprendre que vous avez des moments extrêmement forts au sein de votre équipe. Bien sûr. Mais un moment vraiment, vraiment très fort et important qui vous a marqué, quel est ce moment? Il y en a eu tellement. Mais un moment qui me revient là, tout de suite. C'est le temps de Gospel Live. C'est un événement qui, au sein de l'église, qui se passe une fois dans l'année, certes,
mais qui est très important parce que la Bible déclare que lorsqu'il y a une âme qui est donnée à Christ, hein, il y a la joie dans le royaume. Voilà, c'est la fête. Et à ce moment-là, le temps de gospel live, c'est un temps où on organise un concert. Voilà, un concert pour annoncer Christ, pour parler de Dieu à ceux qui ne connaissent pas du tout la personne de Jésus, la personne du Saint-Esprit. Et quand une vie est donnée, quand quelqu'un accepte Christ à ce moment-là, c'est la joie. Que ce soit une ou deux, cinq, dix, pour nous, c'est excellent. Donc, c'est un temps justement où nous invitons tous ceux qui ne connaissent pas Jésus et nous en profitons pour parler de notre Père. Voilà. Et je profite de l'instant hein, pour inviter tous ceux qui pensent avoir le don, qui ont le don, qui ont l'appel de chanter, de musicien dans la maison, je ne dirais pas dans la maison de Dieu forcément, mais qui l'ont, de mettre ce don-là au profit, au service, voilà, du royaume, pour qu'ensemble nous puissions bâtir, parce que la parole nous dit que le temps vient, il est même déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, et c'est ce genre d'adorateur que le Seigneur recherche. Et aujourd'hui, la moisson est grande, nombreux sont ceux qui sont dehors, qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Le monde se meurt parce que en nous avons cette révélation-là que le monde attend. Alors, j'invite tous ceux qui ont le talent, qui ont le don, à le mettre au service du Seigneur, à venir nous rejoindre. Waouh, wow. J'ai bien envie de vous rejoindre, cette armée d'adorateurs. Bah, la bienvenue. Hein. Waouh. En tout cas, merci Nadia pour ce moment chaleureux qu'on a eu ensemble. Pour moi. D'accord. Si vous aussi vous avez envie de joindre cette armée d'adorateurs, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve sur nos prochains Zoom sur. Au revoir et à bientôt.